Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'on est tous en bonne santé. Moi, j'attribue ça juste aux petits exercices tous les matins et la musique. Et bien sûr, après, l'alimentation saine. Voilà. Bon, ben, comme d'habitude, on démarre avec la musique. Je voulais vous dire, vous avez vu mon chat, où est-ce qu'il s'est mis? Coucou, Minou. Et ça, c'est mon panier pour aller au marché. Je l'ai vu qu'elle s'est mise dans un coin. Alors, pour être près de moi, je l'ai ramené là, le panier. Elle adore comme ça de se mettre bien au chaud. Hein. Voilà, alors, la musique. Voilà, tout est bon, ça y est, là, c'est regonflé, c'est programmé. Ça, je sais que je vais passer une très belle journée. Bon, alors là, je l'ai montré encore une fois. Bon, depuis deux jours, trois jours maintenant, littéralement, je me gave. Parce que, bon, effectivement, ça commence un petit peu, mais très, très peu, de s'arrondir. Hein. Il n'y a plus cette grosse trace. Mais le reste, incroyable. Mais j'ai même l'impression que là, ça commence un petit, petit centimètre de s'ajouter. Donc, c'est des expériences. Je fais toutes sortes d'expériences et je vous montre en direct. Alors, une autre expérience aussi. Pendant un mois et demi, le cube, il était à l'intérieur. Alors, je l'ai sorti pour nettoyer, je voulais le remettre. Et je m'aperçois, c'est hier que j'ai enlevé, que je suis allée au marché, j'ai complètement oublié, normal. Là, je voyais, j'ai bougé, normal. Et je n'ai pas le cube, rien. Alors qu'avant, j'ai marché comme ça, je ne pouvais rien faire sans le cube. J'ai l'impression que ça, c'est le périnée, et vu que c'était retenu la vessie pendant un mois et demi, on dirait que le périnée il s'est un petit peu remusclé. Bon, j'écris pas victoire, hein, parce qu'il se peut que dans une heure, deux heures, ça va, dès que je vais manger, peut-être, ça va redescendre. Mais bon, ce sont toutes sortes d'expériences que je fais chaque fois selon comment ça se présente. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pour rigoler un petit peu. Alors, je reste toujours... Ah oui, alors on m'a expliqué que l'arbre droit, il faut faire au début avant d'être trop fatigué. Bon, ben, je vais essayer, mais j'ai l'impression vraiment, vraiment que j'ai perdu l'équilibre. Voilà. Je l'avais, avant je l'avais. Ouais, ça tient un petit peu.
Ça dépend la jambe, ça dépend, voilà. Alors, on va essayer de sauter un petit peu à la corde, parce que comme je n'ai pas le cube maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ah, les croquettes, ils les mettent partout. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, il se peut que c'est l'appréhension qui va m'empêcher. Ça va. Pour l'instant, ça tient. Pourvu que ça dure, comme on dit. Alors, par acquis de conscience quand même, voilà, vu que maintenant je n'ai pas le cube, on va essayer de muscler quand même un petit peu. Voilà. Et voilà. Bien sûr qu'il faudrait beaucoup plus que ça, au moins une demi-heure de le faire. Parce que là, c'est... Voilà. Alors, j'aimerais faire ça aussi un petit peu. Voilà, pour voir... Si j'arrive, non, j'arrive pas à toucher par terre. J'arrive pas à toucher encore par terre. Alors, la musculation, 3 kilos, 3 kilos. Ah, les cheveux, ça me dérange un petit peu. Ah, ils sont très électriques en ce moment. Ah, c'est, j'ai mélangé. Voilà, 3 kilos. Alors, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, limite, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah oui, 10 c'est limite, alors là en l'air je n'ose même pas y penser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onze, impossible. 1, 2, 3, 4, 5. On m'a expliqué, mais j'arrive pas à comprendre. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, après... Coucou, bébé. Oh, que les sages, là. Allez. Donc, la manche à balai, là aussi, on m'a demandé la longueur. Il faut essayer. J'ai testé 5-6 manches à balai. Ils sont à peu près tous identiques. Eh bien, à un moment donné, vous allez tomber sur un qui est bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je ne peux pas aller au 10. 1. Et en plus, à l'autre côté, c'est plus dur. 3. 3, 4 et 5. Ah bon, ben ça va. Ah. Alors on m'a demandé aussi si j'utilise des somnifères pour dormir. Non, jamais. Mais par contre,
Hier, j'ai oublié de prendre les deux pommes à 17h et un verre d'eau. Ben, j'ai très, très mal dormi. Peut-être j'ai dormi en tout cas ces 3 heures. Mais là aussi, c'est intéressant. Parce que avant, je me rappelle, lorsque j'ai passé une mauvaise nuit comme ça, oh là là, tout de suite on part dans l'état d'esprit, catastrophe, c'est terrible et tout. Et bien sûr, on traîne comme ça toute la journée. Alors que moi maintenant, j'ai appris à la seconde même, je fais un saut quantique, aussitôt, je suis la femme la plus heureuse au monde, j'ai mieux dormi au monde, j'ai passé une nuit merveilleuse, etc. Et je me lève exactement comme si j'ai dormi 8 heures. Aucune différence. Ah, je vous assure, les sauts quantiques, c'est quelque chose de formidable. Il faut faire. Alors, donc, toujours pareil. Déjà, il y a beaucoup de choses en plus. Par exemple, là, pour l'épaule et le dos en même temps. Voilà. Et puis, avec le manche à balai, j'ai beaucoup, beaucoup redressé. Alors après, je fais le coup aussi tous les matins, dès que je me lève du lit. Voilà, il y a beaucoup de petits trucs qui s'ajoutent encore que je ne fais pas ici. Alors après, par exemple, le palming, dans le lit encore. Voilà. Là, on est là, dans le troisième œil. Voilà, des petits trucs comme ça. Après, là, c'est pareil, je fais une dizaine de fois. C'est vraiment très, très peu ce que j'ai fait. Mais j'ai l'impression que c'est suffisant pour avoir l'énergie pour la journée. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. Alors, autre chose aussi, donc, on m'a demandé au sujet des médicaments, est-ce que j'utilise quelque chose comme médicament? Non, jamais. Mon pharmacie, il est totalement vide. Par contre, il y a 3 jours, je voulais, ça me travaille quand même cette musique de 440 Hz. Et je me suis dit, mais je vais m'efforcer un petit peu pour écouter. J'ai resté 2 minutes, je vous assure. Alors je vais vous remontrer ces pauvres carottes qui ont écouté cette musique, vous avez vu? Ça, c'est des pauvres carottes qui ont écouté la même musique que moi j'ai écouté il y a 2 jours. Et ça, c'est les carottes, toujours, qui ont été élevées à la musique de Mozart. Quelle différence! Alors, au même titre que les carottes, ils se sont mis dans cet état-là, ben moi aussi, j'étais dans cet état-là. Bon, heureusement, moi, j'ai l'intelligence quand même, et puis j'ai relativisé. Mais les carottes, ils ne peuvent pas relativiser. Alors, donc, j'ai eu très, très mal à la tête parce que c'est la musique, j'ai l'impression que c'est tous les bruits qui existent sur cette terre, mais les bruits désagréables, comme le marteau-piqueur, comme une vibration d'un avion qui vole à basse altitude ou un tremblement de terre, ou votre sèche-cheveux vous mettez en même temps, votre aspirateur en même temps, tout en même temps. Et tout ça, ça fait un mix, un mélange, et c'est ça, c'est cette musique, comme j'ai dit, 440 Hz. Et je suis étonnée qu'il y a énormément de gens qui non seulement ils supportent, mais en plus ils adorent ça. Ben, visiblement, ils ont beaucoup de tolérance, mais pas beaucoup de résistance par rapport aux maladies. Alors donc, mon cerveau, pendant ces 2 minutes, il s'est mis en 1000 morceaux. On dirait que c'était déchiré, coupé. C'était horrible comme sensation. J'avais mal de tête, que jamais j'ai connu mal de tête comme ça. Alors j'ai essayé de faire passer avec le jus de citron. Normalement, ça devait passer. Non, ça n'a pas passé. Alors, je suis allée aux pharmacies. On m'a conseillé le Doliprane. J'ai pris un Doliprane. Eh bien, je comprends maintenant pourquoi il est si populaire, ce médicament. Parce que 3 minutes après, plus rien. Comme quoi, de temps en temps, c'est nécessaire. Alors, autre chose aussi, je vois dans les commentaires que quand même pas mal de personnes qui ne croient pas encore d'expérience de mort imminente. Oui, je dirais que je comprends parce que moi, même si je n'avais pas expérimenté, j'aurais
un petit peu difficulté de croire. Mais comme il y a des milliers de témoignages, voire même des millions dans le monde, et ils ont connu tous les mêmes expériences, donc ça ne peut pas être une hallucination. Et encore si c'est des personnes ordinaires, je dirais, monsieur, madame, tout le monde, à la rigueur. Mais il y a même des scientifiques, carrément, il y a des médecins qui ont vécu cette expérience et ils viennent témoigner. Et ça, c'est des gens qui sont cartésiens. Notamment, il y a un neurochirurgien américain, Eben Alexandre, qui a opéré des centaines, voire des milliers de cerveaux. Il les a découpés en morceaux et tout. Il les a vraiment étudiés. Il connaît bien le sujet. Et un jour, à son tour, il tombe malade. Il avait un méningite grave microbien, c'est ça. Et il tombe dans le coma vraiment lourd pendant 2 semaines. Et pendant ce temps-là, il a connu cette expérience de mort imminente. Et lorsqu'il est revenu, il a témoigné. Il a même écrit un livre qui est très, très célèbre maintenant en Amérique. C'est « Le paradis existe ». Quelque chose comme ça, ou preuve de paradis. Voilà. Bon, alors bien sûr, tous ses confrères, ils ont essayé d'expliquer ça à une façon un petit peu plus logique. Oui, mais le cerveau, lorsqu'il se sent en danger, il sécrète des produits chimiques qui provoquent des hallucinations et tout. Et lui, il a démontré A plus B que ce n'est pas possible. Étant donné qu'il connaît des régions de cerveau et cette région justement qui provoque des images, des sensations et tout, il était complètement mort chez lui. Impossible. Et comment est-ce possible qu'il a vu tout ce qu'il a vu? Et lui, il a vu 10 fois plus que moi encore. Et autre chose en plus que normalement, ses confrères, ils ont dit que si jamais il survit à ça, on ne sait pas s'il ne va pas rester légume toute sa vie. Or, après, quand il est revenu, il a récupéré. Il a tout récupéré. Donc, lorsqu'on voit des témoignages comme ça, et il faut vraiment croire. Parce que moi, je le sais. J'ai eu de la chance de voir ça. Et je peux dire que vraiment, il décrit qu'il était dans une autre dimension. Complètement. Il a vécu d'autres événements, il a rencontré d'autres personnes, pas différentes que ce qu'il voit sur Terre. Donc, ça rejoint un petit peu tout le monde, et surtout le fameux couloir. Tous, on traverse. D'abord, on se soulève, on quitte notre corps, et après, on traverse le couloir. C'est identique à tout le monde, à tout le monde. Et après, c'est après ça, comme j'ai dit, que j'ai observé, j'ai écouté un petit peu beaucoup de témoignages, c'est là que ça diffère un petit peu les expériences. Chacun, il va dans une autre dimension. Donc, je conclue qu'il y a des milliards d'autres dimensions qui nous attendent après la vie sur cette terre. La vie est magnifique en attendant, on profite déjà ici sur cette terre, et puis après, bon ben, on verra la suite. Il ne faut pas être trop pressé. Moi j'ai dit, j'ai besoin quand même au moins 70 ans encore de découvrir tout ce que j'ai envie de découvrir. Et encore je me demande, je me dis parfois, c'est certaines personnes, comment ils peuvent s'ennuyer? C'est un luxe qui n'est pas permis pour tout le monde, parce que ce n'est pas possible. Moi, chaque seconde, je n'ai pas assez de temps pour la journée. On m'a conseillé dans les commentaires de lire certains livres au sujet de l'alimentation, mais c'est très gentil, je remercie à tout le monde. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas une seconde. En plus, on me dit aussi que mon alimentation n'est pas complète, il manque ceci, il manque cela. Oui, je le sais, mais le sujet n'est pas là, parce que je ne mange pas pour ce que j'ai envie de manger. Je mange ce que je dois manger pour ne pas retomber dans la boulimie. Ensuite, on me conseille de manger le poulet. Ce n'est pas possible. Parce que ça va réveiller automatiquement. Moi, j'adorais le poulet rôti. Je me suis gavée pendant que j'étais boulimique. Et ça réclame encore le circuit de récompense. Là, et si je touche
un morceau de poulet, que ça soit cuite, rôti, n'importe comment, ça va réveiller le mémoire de circuit de récompense et c'est foutu, je vais retomber dans le boulimie. Donc c'est une surveillance de chaque seconde. C'est pas facile parce qu'en même temps, il faut que je fasse attention pour ne pas tomber, comme je dis, dans la tentation et en même temps faire attention que ça ne déborde pas de tous les côtés et en même temps que ça ne maigrit pas trop, comme là j'ai beaucoup perdu. Donc c'est compliqué, mais en même temps c'est très bien pour le cerveau parce qu'il a du fil à retordre et comme ça il n'a pas le temps de vieillir. Voilà, vous voyez, je n'ai pas le temps de vieillir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé, au revoir.